J'espère que ça va être concluant et que les gens vont se réveiller enfin de plus en plus avec les mensonges qui ne tiennent pas en route depuis un an et demi. J'espère que les gens vont commencer à les réaliser et avancer. Il est temps qu'on s'unisse, il est temps qu'on sorte. Je suis vraiment contente de voir que le monde se lève. Ça fait quoi, 17 mois qu'on est debout? Les gens persistent. Moi, cette persévérance-là m'inspire. Je pense qu'il y a aussi une belle relève. Il y a des nouvelles personnes parmi nous. Vaccinés, pas vaccinés, l'important, c'est d'être debout. Fait que merci à tout le monde qui se sont levés et qui vont continuer à se lever parce qu'avec tout ce qui se passe, je pense pas qu'on ait terminé tout de suite. Merci beaucoup. Il faut être encore plus. Il faut que tout le monde se lève. On a besoin de tout le monde. Ça va trop loin. Il faut protéger nos enfants. Un plus un, c'est important. Faut se faire entendre. Fait que c'est pas vrai que ça change rien. Faut se rassembler, faut se soutenir. Moi, je change pas. Je suis maman, prof de danse. J'ai les enfants à cœur. Ne serait-ce que pour les enfants, tout le monde devrait se lever aujourd'hui. Sur un petit pont pour pouvoir faire un time-lapse de la manifestation. Alors, j'ai vraiment une belle vue ici. Alors, on peut voir ici, vraiment, c'est assez dense. On est beaucoup de monde ici. On est beaucoup de monde à dire non à ce pass sanitaire. Dans cette gang-là, on a des gens pas vaccinés. On a des gens vaccinés une fois. On a même des gens vaccinés deux fois. Et on est tous ensemble contre ce pass vaccinal. Voilà. Au pouvoir par tout le monde. Thank you.
plante. Wow! Wow! Vous êtes tellement beau, des sourires, des yeux brillants, pétillants. Wow! Moi, j'aime ça. Même les policiers, vous pouvez enlever vos masques. On veut voir vos sourires. Parce que au bout de la ligne, vous êtes des humains. Vous êtes des humains comme nous. Vous avez des enfants, vous avez des familles, vous avez aussi des grands-parents, des parents. Alors oui, on va tous grandir et merci d'être là pour nous. Salut tout le monde! C'est ça, j'avais rien de préparé, mais honnêtement, aujourd'hui, j'ai juste le goût de souligner à quel point vous êtes beaux. Tout le monde ici prêt à défendre ses libertés pour soi-même, pour ses enfants, pour tout le monde qu'on aime autour de nous autres. Même à la pluie, il faut réussir à se rassembler tout le monde, à s'unir, arrêter de se diviser. Arrêtez d'être dans les extrêmes, arrêtez d'essayer d'avoir raison, arrêtez d'essayer de convaincre les autres que c'est nous qui avons la vérité, c'est nous qui avons raison. L'objectif, c'est tout de se rassembler et d'essayer d'aller chercher le monde qui sont dans le milieu en ce moment. Le monde qui se pose des questions, qui ne sont pas sûrs, qui trouvent qu'il y a des affaires de louche dans tout ce qui se passe. D'aller parler à ce monde-là qui sont soit de la vie contraire de ce qu'on a, ou soit le monde qui sont dans le milieu, puis d'essayer d'aller rassembler tout le monde. D'arrêter d'essayer d'être dans les extrêmes. C'est le message que j'aurais pour vous autres aujourd'hui. Nos droits et libertés. C'est quoi ça, ces mots-là, M-O-T-S, qui sont devenus d'autres mots selon le gouvernement, des mots M-A-U-X. Alors, ce n'est plus le choc des droits et libertés, ce sont des mots et c'est le mal à dire dans le corps humain. Je me souviens, c'est quoi ça? C'est quoi ça, je me souviens? C'est la devise du Québec? Je me souviens qu'on va s'en souvenir en tabarnak du COVID. C'est hop, c'est grandiose. Je le dis encore grandiose. Pourquoi grandiose? Parce que quand on ose, on grandit. Donc aujourd'hui, c'est la marche pro-choix. Ça veut dire quoi être pro-choix? Selon moi, être pro-choix, ça veut dire se respecter et respecter le choix des autres. Des choix, on doit en faire à tous les jours. OK? C'est pas en manifestant avec 10 000, 100 000, un demi-million de personnes qu'on va réussir à faire changer les choses à une manifestation par semaine. Non, c'est en faisant des actions individuelles à tous les jours, dans les commerces, vos voisins, vos amis, votre famille. C'est en parlant respectueusement avec tout ce beau monde-là qu'on va réussir à évoluer vers une conscience collective où est-ce que chacun va pouvoir se respecter. Choix aussi, ça veut dire ne pas imposer aux autres ses idées, ses choix. La liberté, ça a plusieurs définitions. Il y a une liberté qui est très importante, c'est la liberté d'expression. On a le droit de s'exprimer toujours de manière respectueuse pour ne pas insulter qui que ce soit. C'est très important le respect. J'aimerais ça vous parler un peu de complotistes. Les journalistes, moi, est-ce que d'autres nous ont accusés d'être des complotistes? Un complotiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dénonce un complot. Un complot, c'est quoi? C'est quelque chose de caché qui se passe. Présentement, avec la crise du COVID, le World Forum économique, le Klaus Schwab, l'affaire de Davos, là, il n'y a rien de caché. Tout est ouvert. Donc, je ne suis pas un complotiste. Ce que je fais, moi, c'est que je suis un lanceur d'alerte et je dénonce les scandales qui sont en train de se passer au niveau mondial. Donc, j'aimerais faire une demande aux journalistes d'arrêter de nous insulter et de nous manquer de respect en nous traitant de complotistes, d'anti-masques, d'anti-vaccins. Je n'ai jamais dit que j'étais un anti-masque. J'ai toujours dit que j'étais pro-choix. Je ne suis pas un anti-vaccin. Je suis un anti-expérience génétique. Ensuite, j'aimerais vous parler de consentement. Le gouvernement, aujourd'hui, tente d'avoir notre consentement de toutes les manières, en nous faisant la pression, en nous faisant peur. Mais moi, mon consentement, ils ne l'auront jamais. Oui, ensuite, j'aimerais vous parler de division et d'union.
La division, le gouvernement, c'est ce qu'ils tentent de faire, en nous faisant peur encore avec les médias, leur machine à propagande qui donne des millions de dollars en subventions. C'est dégueulasse. Nous, dans l'appel à la liberté, une de nos missions, ben, c'est d'unifier la diversité. Parce qu'au Québec, on est une société très diversité. Il y a un multiculturalisme ici au Québec, puis c'est beau à voir. Là, présentement, avec le COVID, la culture est en danger, l'économie est en danger, il y a plein de choses qui sont en danger. Donc, c'est en s'unifiant qu'on va protéger notre beau Québec. On crie souvent « liberté, liberté ». Oui, c'est beau la liberté. La vérité, c'est encore mieux aussi. Mais la liberté et la vérité, ça vient avec des responsabilités. Donc, soyez tous responsables. Arrêtez d'attendre le sauveur. C'est vous votre sauveur. Et puis, une chose importante, on a plusieurs problèmes aujourd'hui, que ce soit le masque, le vaccin, le confinement, le couvre-feu, on pourrait en parler longtemps, tous les problèmes. Mais selon moi, pour régler tous ces problèmes-là, il faut aller à la cause des causes, la source du problème, la tête du serpent. On crée Legault en prison, Legault, c'est juste une petite marionnette des milliardaires psychopathes. Klaus Schwab. Bill Gates, c'est eux les vrais bandits, la famille Rothschild, ceux qui se croient maîtres de la planète et propriétaires de nos vies, c'est eux notre ennemi aujourd'hui. Donc c'est eux qu'on doit viser et non pas Legault, Trudeau. Regarde ça, c'est de la diversion, ça. Comme un magicien, là, dire « Regardez ma main, je vais vous faire un tour de magie », mais c'est à droite, ça se passe. Fait que c'est avec des Rothschild, des Bill Gates, des Klaus Schwab, c'est le même, c'est eux autres qu'il faut accuser. La politique, selon moi, sert à nous imposer des pouvoirs et des lois qui n'ont pas raison d'être. La démocratie, par exemple, le pouvoir au peuple, c'est une excellente chose. On pense qu'on est en démocratie au Québec ou qu'on a été en démocratie. C'est faux. Nous n'avons jamais été en démocratie. Ce n'était qu'une illusion. De voter pour des banquiers, des avocats, de la bourgeoisie, ça, c'est pas du peuple. C'est du monde qui veulent nous contrôler et s'en mettre plein les poches. Il y a des élections qui s'en viennent prochainement. Moi, j'ai toujours pensé que le droit de voter, c'était le droit de chialer. Mais ça sert à quoi de voter pour des corrompus quand on n'a pas d'option intéressante? Là, je viens de dire qu'il n'y a pas d'option intéressante. Je pense qu'il va en avoir prochainement avec le nouveau parti politique qui vient de naître. Et j'espère de tout mon cœur qu'ils vont réussir à changer la machine du système politique. Et pour ça... Mais moi, j'aime bien aussi la citation d'Edmund Burke. « Pour que le mal triomphe, seule l'inaction des hommes et des femmes de bien suffit. » Donc, les hommes et les femmes de bien doivent passer à l'action pour triompher du mal. OK, moi, je suis ici principalement pour nos droits et libertés, comme vous le savez, puis aussi dénoncer les mondialistes, les paradis fiscaux et toute la guerre psychologique en ce moment qu'on vit. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais aujourd'hui, la guerre est basée sur la peur, n'est-ce pas? Mais moi, aujourd'hui, je suis ici pour dire non à la peur, et vous? Moi, la peur dans mon cœur, j'en veux plus. La peur dans ma vie, j'en veux plus non plus. Et vous? Donc, envoyons un message clair à François Legault. Sont bafoués, nos garanties juridiques sont bafouées. Je vais le résumer très rapidement, mais selon le code pénal criminel, est-ce criminel de ne pas porter un masque? Donc comment pouvons-nous nous retrouver devant des cours pénales et criminelles provinciales pour un non-port du masque? Est-ce que ça démontre la corruption? Donc moi je suis ici pour rappeler que comme vous, je suis un gardien protecteur de mes droits et comme vous, j'y tiens et je me tiens debout, n'est-ce pas? Donc envoyons un message clair à l'establishment qui nous parle de
dans une gestion saine et qu'on fait des prêts aux banques privées plutôt qu'à nous-mêmes? Non! C'est-tu normal que le gouvernement, dans le temps de Paul Trudeau, a changé la façon d'emprunter de la Banque du Canada sans débat public ni au Parlement? Est-ce que c'est normal? Non! Donc, est-ce que la dette du pays serait de facto inconstitutionnelle puisqu'elle n'est pas la nôtre? Donc, si vous voulez l'argent, gang de bandits, ben, prenez-la donc dans votre propre compte de banque, messieurs les milliardaires, parce que mes ennemis, ce sont les 2206 milliardaires sur Terre qui se prennent tous les droits et toutes les matières primaires. Ben moi, je dis non, et vous? Non! Ça suffit, le pillage de nos forêts, de nos océans, puis de, du corps de nos enfants. Nous sommes debout et nous allons résister jusqu'à la fin. So, let's go tout le monde, faites du bruit! Hey, bonjour tout le monde, on est merci d'être là. J'attends les manifestations sous la pluie, ça veut dire qu'on est fort. Il n'y a rien bon temps, mauvais temps qui va nous empêcher de protéger les enfants. Alors bonjour tout le monde, merci d'être là. Que je me bats depuis la toute première parcelle d'étincelles qui s'est allumée en moi, au niveau de mes convictions, au niveau de mon envie de faire mon travail auprès, parce que j'ai enseigné pendant des années auprès de des dizaines de milliers d'enfants du Québec et j'ai vu cette société la mettre à terre. J'ai vu les décisions du gouvernement éteindre la jeunesse. J'ai vu le système corrompu faire tout et ses enfants. Et je sais que si nous réussissons à les protéger, à s'unir pour en sauver un de plus, 10 de plus, 100 de plus, je vise le 100 000 enfants que nous allons mettre à l'abri d'ici la semaine prochaine. Grâce à vous! Grâce à vous, grâce à nous, grâce à tous ceux qui organisent, grâce à tous ceux qui se manifestent, grâce aux grands-parents extraordinaires qui laisseront pas leurs petits-enfants dans cette misère, grâce aux parents, aux mères, aux guerrières, aux guerriers, nous allons y arriver! Ouais! Merci aux gens de la souveraine, ça va bien? Ouais! Tout le monde dit comme ça que je suis pas faite en chocolat. Moi, je suis faite en chocolat, puis je suis là, tabarnak. Fait que, wake up, people! Les femmes m'ont demandé de diminuer un peu, fait que je vais couper 5 pages au lieu. Fait que je vais commencer tout de suite. Je suis extrêmement fière d'être ici dans un premier temps, ok? Je veux saluer vraiment toute l'équipe organisée, la famille Bouvier, toutes les gens d'Appel à la liberté, toutes les personnes qui sont impliquées, Christina, Yendo, toutes les gens qui ont participé dans cette manifestation-là. Bravo, bravo à tout le monde qui sont là, ok? Donc,
lumière, les femmes et les enfants d'abord le 21 décembre 2020, qui a été fait simultanément d'Abitibi à Toronto, Paris-France et à Montréal. Aujourd'hui, j'ai accumulé la frustration, la colère. Je suis écœurée de l'arnaque que ces menteurs continuent à essayer de me faire croire que je ne vois pas ce gros mensonge. Depuis quand qu'on doit manifester avec des conditions pour nos droits et libertés? Ça n'a pas de sens! Combien d'entre vous ont été tabassés, poussés, ridiculisés, payés des tickets, même si qu'on a tout fait pacifiquement? C'est assez! Est-ce que vous êtes tannés, vous autres aussi? J'essaie de sortir le méchant. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du mur de Jéricho. Josué qui avait été entouré le mur de ses ennemis, lui ont fait 7 fois le tour, lui ont crié comme des déchaînés pour faire tomber les murs de tous leurs ennemis. Moi, je veux qu'on crie ensemble pour faire tomber le mur de la corruption, de la dictature, de l'abus émotionnel, de la psychologique, du génocide planétaire, du QR code, les passes sanitaires, le gouvernement. Je veux qu'on crie de toutes nos forces, comme si vous avez écœuré de tout ça. Faites à tes points, 1, 2, 3, criez pour sortir le méchant. On va sortir le méchant. On va tomber ces murs-là. Ces gens-là, c'est les gens qui sont dans la corruption. Pour faire tomber le mur de la corruption au Québec, c'est assez la folie, là. Mais je vais dire une seule chose, une seule chose. Et ce que je vais dire, ce n'est pas pour que vous vous enflammiez. Ce que je vais vous dire, c'est pour que vous pesiez ce qui vient. Parce que ce qui vient n'est pas drôle. Et la seule façon qu'on va gagner, c'est si chacun d'entre nous comprend qu'on n'a plus rien à perdre. C'est là où on va gagner. Mais si vous avez peur de perdre vos maisons, de perdre vos familles, de perdre vos voitures, alors vous n'avez pas encore compris le jeu. Le gouvernement procède depuis le début par des micro-agressions. Donc il va toujours te laisser un petit espace pour que tu te dises « je vais me soumettre pour ne pas perdre ça ». Mais ce qui va se passer en fin septembre et début octobre sera très dur. Ce dont je rêve, c'est que le jour où on va décréter le couvre-feu, qui n'est pas 10 personnes dans les rues de Montréal, mais qui est 100 000 personnes. Ce que je rêve, c'est que la personne parmi vous qui a le moins de contraventions ait 50 contraventions. Je suis très sérieux dans ce que je suis en train de vous dire. Le temps n'est plus venu de chercher à préserver les choses. Et ce n'est pas par la violence qu'on va gagner. Ce n'est pas par la violence. C'est en désobéissant. Tout à l'heure, beaucoup de personnes vont prendre le métro. N'ayez pas peur. Entrez dans le métro sans masque. Demain, écoutez, voilà l'exemple. Demain, quand tu vas prendre le métro, tu entres dans le métro sans masque. Est-ce que c'est clair? Il y a des actions à venir. Il ne faut pas qu'on soit 10, il ne faut pas qu'on soit 20. On va faire des magasinages sans masque. Et ce que je rêve, c'est qu'on va entrer dans les restaurants où on exige des codes QR sans code QR. Est-ce qu'on est prêt? Dernière chose. Bientôt, le gouvernement va dire aux policiers de... Actuellement, les policiers sont bienveillants envers nous. Parce que le gouvernement les laisse. Mais bientôt, le gouvernement va commencer à devenir autoritaire. Et il va exiger que les policiers surveillent les masques. J'espère que personne ne portera le masque bientôt. Si on donne les contraventions, on va se mettre en rang un après l'autre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Salut les gars, ça va bien? Oh yes, merci d'être là malgré la pluie. Là, tout le monde, je veux juste spécifier une chose. Je suis magicien. Si présentement vous ne me voyez pas, vous allez manquer un paquet d'affaires parce que je vais faire du stock visuel.
Alors, si vous avez un parapluie devant vos yeux, pensez-vous de 2 pouces pour être capable de me voir, sinon, vous n'aurez pas beaucoup de plaisir. La première chose que je veux spécifier, j'étais tellement content de venir avec du monde qui pense comme moi, j'ai décidé qu'on allait célébrer avec du champagne, et c'est pourquoi j'ai apporté ceci. Ma dernière création, c'est la distributrice de bouteilles de champagne à volonté. Le sac, regardez ça, le sac est plié, la bouteille est dans le sac. Puis je vais vous expliquer comment ça marche. Première chose, tu prends le sac sur le dépli. Quand c'est fait, tu peux montrer le sac des deux côtés. Manche relevée, super important. Tu roules le sac, tu rentres ton bras jusque dans le fond. Ça, ce que ça fait, c'est que ça prouve que le sac est vide jusqu'à temps que tu sois fait bouteille. Différente de mes scènes habituelles. Moi, j'ai l'habitude de faire des spectacles dans des endroits, premièrement, où il ne pleut pas et où je ne suis pas à la merci de la pluie. Et là, il y a donc, calique. Aïe donc. Le clou du spectacle! Le clou du spectacle! J'arrive, la plupart d'entre vous m'ont découvert dernièrement sur les regroupements comme Passe-Sanitaire 2.0 où j'ai fait une vidéo qui explique certains des principes derrière l'illusion, comment on fait pour déjouer l'esprit humain. Et donc, à travers tout ça, je vous parlais un peu du concept d'hypnose. Hein? On se fait hypnotiser tranquillement, pas vite, juste pour être sûr que ça passe. Lorsque j'ai décidé de vous démarrer, donc, calique, tu me dire. Il y en a qui ont des pierres au rein, moi j'ai des roches de souliers. Et donc, là, je veux juste spécifier une chose. Je vais en profiter tant qu'à dire que j'ai un micro et que j'ai un public de personnes. On se comprend, hein? On est capable de parler le même langage. Et donc, hey, premièrement, salut Anne Grenier, je veux juste pas oublier de dire salut. Je te vois de loin tout tantôt, salut. On a la pluie entre nous, mais merci d'être là. Donc, je voulais spécifier une chose, parce qu'en tant qu'artiste, je sais c'est quoi la réalité d'un artiste, et depuis quelque temps, on entend énormément sur les réseaux sociaux les gens dire « sont où nos artistes? Pourquoi ils restent silencieux? » Je veux pas prendre la défense des autres, je vais vous parler pour moi, parce que je suis resté silencieux pendant un et demi temps, et il y a des raisons derrière ça. Quand tu es un artiste et que tu es quelqu'un qui vit de ta passion, dans un domaine dans lequel il n'y a aucune sécurité. Moi, j'ai pas d'assurance, j'ai pas de fonds de pension. Si ma carrière, si je me casse un bras demain, j'ai aucune entrée d'argent. Et donc, tu bâtis un rêve un petit peu et tu peux faire un faux mouvement et ton show de cartes, ton château de cartes s'écroule d'un coup sec et il ne remontera plus jamais. Parce que dans le domaine artistique, tu n'as pas 2 chances. Surtout quand tu joues dans la ligue majeure. Alors, il faut faire attention parce que si tu t'exposes, puis il y a quelqu'un qui pourrait te donner un gros contrat, puis que lui, il décide qu'il n'est pas content avec ce que tu dis, tu viens de tout perdre. Je ne prends pas la défense de tout le monde, mais je suis en train juste de vous dire que ça pourrait peut-être expliquer pourquoi certaines personnes ne prennent pas le micro. Et en plus, aujourd'hui, c'est quoi la manifestation pro-choix? Ben, pro-choix, c'est de décider ce que tu as le goût de faire. Ça, si ça ne te tente pas de prendre le micro puis de t'exposer, il n'y a personne qui t'oblige. À chacun notre affaire, hein? Dans une guerre, il y a du monde qui monte au front, il y a des gens qui prennent des décisions, puis il y en a qui vivent leur guerre dans leur salon devant la télévision en train de dire « Let's go gang, là, je sais pas, chacun sa place. » Je dis ça avec tout le respect. Maintenant, avant de terminer, je veux juste spécifier une autre chose, c'est que pendant la dernière année et demie, moi j'ai tout perdu mes contrats, alors je fais partie des personnes qui sont restées chez eux, tout seuls, à ne pas donner leur avis pour ne pas faire chez le peuple, et qui n'avaient rien à faire pendant ce temps-là. Et donc, à un moment donné, j'ai comme senti que j'étais en maudit, j'étais frustré, j'étais pas un peaceful warrior, et qu'à chaque fois que je parlais, c'était juste négatif. « Oh là, tabarnak, je suis écœuré, puis là, là, si j'ai pas de job, puis là, moi, je fais ça, pourquoi, parce que je suis où? » Puis un jour, j'ai pris conscience moi-même de mon état d'esprit, puis j'ai réalisé présentement, là, je suis dans l'état d'esprit le plus mauvais pour être capable de faire changer les choses. Et donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai commencé à bien manger, j'ai recommencé à m'entraîner 5 fois par semaine, puis là, tout à coup, les esprits, ça, les idées sont mises à être un peu plus positives.
dans ma tête. Et c'est là que j'ai dit, je vais faire une vidéo avec un tour de carte qui explique les affaires. Ben, je vous dis ça, pas pour me vanter, là. Mais après avoir fait cette vidéo-là, qui a eu comme 40 000 vues, là, j'ai jamais eu autant de contrats que j'en ai dans le mois de septembre. Bravo! Puis dans le changement, on peut vivre une guerre, mais en tant que guerrier pacifique, positif, et donner l'exemple au lieu de juste être en maudit, puis de aussi pointer le doigt. Tu sais, il y en a beaucoup qui font « Oh, mais lui, il fait rien! » Puis là, eux autres, ils font rien. On n'est pas des adolescents dans une maison qui se battent savoir c'est qui fait plus souvent la vaisselle. Hein? Chacun son affaire. Là, maintenant, je veux vous laisser avec de la magie, parce que c'est une autre chose, hein? Quand on est heureux, plus facile de répondre du bonheur et du positif. Et donc, je vais partager quelque chose avec un jeu de cartes. Et là, pour participer à mon jeu de cartes, j'ai besoin de 4 personnes. Là, je ne vais pas vous faire venir de là, là, ça va être trop long. Je vais prendre 4 personnes. Vous, madame, toi, mister, tu vas être parfait. Ça t'attends-tu participer, tu vas venir, monsieur, voulez-vous? Emmène de 4 personnes. Ça va être super, vous allez voir, on va avoir du fun. Regardez bien ça. On va finir avec ça. Merci d'être là malgré la pluie. Merci d'être là. Merci d'être là. Il y a des derniers. Bon, là, la première chose que je vais faire, vous, madame, vous allez devenir les yeux du public. Okay? Vous allez confirmer au public ce que je suis en train de vous montrer là. Bon. On a un jeu de cartes ici. Les cartes sont dans l'ordre. De l'as jusqu'au roi de taureau, de l'as jusqu'au roi de pique. Même chose avec les cartes de cœur, même chose avec les cartes de trèfle. Alors, ça prouve rapidement qu'on a toutes les cartes. Ils sont tous là, là jusqu'aux cartes de trèfle. Ah, là, jusqu'au roi. Parfait, super. Êtes-vous bonne pour mélanger les cartes comme ça? Sans les échapper, parce que si vous les échappez, vous scrapez mon jeu. Et là, c'est grand papa. OK? Fait mélanger comme ça. Assez. Là, regardez bien ça. On va faire du mentalisme, de la lecture de pensée. Hey, hein, c'est incroyable, ça. Mélange comme ça. On prend un peu de chance. Fais-moi confiance, j'ai fait des shows en masse dans ma vie pour me dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit oh, « Je peux-tu faire ça? » C'est là que ça part. Bon. Là, dans un instant, ce que je vais vous demander de faire, c'est on va remettre le jeu dans la boîte pour être sûr de ne pas les échapper. Vous me dites quand vous avez mélangé à votre goût. Bon, parfait. Je vais juste aller chercher Joker. Je vais aller chercher Joker dans le jeu. On devrait le voir assez facilement. Et là, on va l'amener sur le dessus du paquet. On va placer toutes ces cartes-là dans la boîte. Jeu de cartes mélangées. Regardez, je fais rien de spécial avec le jeu. On va mettre un élastique. Le jeu de cartes, la boîte a été coupée. La boîte a été coupée sur le coin. On a accès au jeu de cartes dans la boîte. C'est en effet comme un livre. Et sur le coin en haut, on voit le nom des cartes. On appelle ça l'index des cartes. Alors, je vais vous demander chacun votre tour d'effeuiller le jeu, de regarder le nom d'une carte, de la mémoriser, mais pas de la dire ou de me la montrer. Vous passez le jeu comme ça, les cartes. Une fois que vous allez avoir chacun une carte, je vais aller dans vos pensées. Alors, faites ça comme ça. Et je vais voir les cartes que vous choisissez. À chaque fois que vous avez fini, vous méritez un petit cadeau, des confettis. Des confettis, comme ça ici, là, là. Parfait. Des confettis pour vous. Mon cher ami, vous allez avoir des confettis jaunes. Et mademoiselle, vous allez avoir des confettis. Vous allez garder le jeu, je ne veux pas y avoir accès. À la fin du numéro, je vais les prendre. Là, vous avez chacun une carte dans votre tête. Jeu de cartes, toutes les 52 cartes sont là, mélangées par vous. Je n'ai touché à rien. À regarder, ben ça. Pour lire dans vos pensées, ça prend le troisième œil. C'est le côté ésotérique du spectacle. Bon, ça sert à rien, mais je suis quand même le seul à en avoir un. Bon, là maintenant, regardez bien ça, tout le monde. J'ai 4 cartes dans ma tête. Je vais nommer les 4 cartes à haute voix. Si vous entendez le nom de votre carte, vous prenez les confettis, vous les lancez le plus fort que vous pouvez, là-bas pour qu'on les voit. Si j'ai les cartes, s'il vous plaît, applaudissez, ça vaut la peine. Je vais terminer avec ça. Voici les 4 cartes. 3 de carreau, 6 de cœur, 7 de pique, 9 de trèfle. Oh yeah! Je vais prendre le jeu. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir été là. Continuez les warriors, tout le monde! Thank you.
Je ne sais pas ce que les médias pensent des infirmières, soit qu'ils sont habillés en petit top brûlé avec des fleurs dans les cheveux, ou bien ils s'imaginent le petit kit avec le petit chapeau et les jartelles. Ben, je suis infirmière et je vous montre ma carte d'infirmière. Je ne suis pas retraitée, je travaille encore et je peux vous dire qu'avec mes expériences du début de COVID, je me suis déplacée à des endroits pour aller monter des sites COVID. Je ne voulais pas, mais j'ai quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit « Comment tu peux parler? Tu ne sais pas, tu ne travailles pas. » J'ai dit « Ok, je vais prendre un contrat puis je vais y aller. » Je suis allée, j'ai monté un site COVID dans un hôtel en quelque part. Il y avait de la bouffe pour les fins et les fous. Et finalement, je suis restée là 8 semaines et nous avons eu un cas. Comme vous savez, je suis infirmière, j'ai fait des recherches. Ça fait longtemps que je fais des recherches, ça fait au-dessus de 19 mois. Puis je crois que la pandémie est un voile qui est tissé de mots pas clairs. Et cela a fait en sorte d'amener une collectivité myope. Le plus important, ce sont les mots. Les plus importants, ce sont les mots. Donc, le mot « corps », je trouvais qu'il n'était pas assez clair pour nous, peuple québécois. Et pour les gens qui se sont fait vacciner ou ceux qui ont encore peur de se promener à cause de la COVID, je ne comprends pas. Donc, je vous fais en fait mon topo. Nous faisons face à une vaccination de masse. On veut vacciner nos enfants. Je parle de nos enfants, car la Terre nous a été prêtée pour leur céder. Donc, qu'est-ce qu'un cas? Un cas est une personne avec ou sans symptômes. Donc, moi, quand je quitte, parce que je travaille à l'extérieur, je ne fais pas partie du système de santé ici, je travaille dans le système de santé du Québec, mais je travaille grandement. Je dois me faire tester. Pas de symptômes. Je me fais tester, je deviens un cas. Donc, avec ou sans symptômes, donc ça représente, un cas représente un test. Un cas d'une personne testée, c'est tout, c'est pas une personne malade. Fait que quand on nous dit, comme aujourd'hui, pas aujourd'hui parce que les statistiques ont été faites le 3 septembre, quand on nous dit qu'il y a 750 cas, c'est pas des personnes malades, c'est des cas testés, des personnes testées simplement. Donc, je répète, ces chiffres ne sont pas le nombre de personnes malades. Même hospitalisées. Dans les centres hospitaliers, il n'y en a pas de malades. Même si je pourrais vous dire, des malades de la COVID, il n'y en a pas. Il y a des gens, même qui marquent sur les certificats, je l'ai vu de mes yeux vus, morts de la COVID, plus en phase terminale cancer. Donc, on le sait là, que c'est ça. Et dans les cas, il y a les liens aussi épidémiologiques, donc les chiffres sont drastiquement augmentés puisqu'ils sont rentrés dans les statistiques de la journée. Donc, les liens épidémiologiques, on sait ce que c'est. C'est une mère qui a des symptômes, qui s'en va se faire tester. Bien, elle a 2 enfants avec son conjoint, bien, ils deviennent des liens épidémiologiques. Donc, ce que je veux dire, c'est que les personnes décédées dans les CHSLD, si sur une unité, il y avait 36 patients, 5 qui ont un test positif de la COVID, et 30 autres deviennent des cas en lien épidémiologique. Donc, ça a fait augmenter beaucoup les cas actifs maintenant. C'est ceux qui sont très importants.
les cas actifs sont 5265 aujourd'hui. Ce sont des personnes qui présentent deux symptômes et plus. Donc, tu as le nez qui coule, tu tousses, t'es un cas actif. Un cas actif ne veut pas dire que tu es malade au point de te rendre à l'hôpital. T'as juste le nez qui coule. T'as même pas d'étonnement, t'as même pas de température. Sauf que les cas actifs rentrent dans la santé publique aussitôt qu'ils sont testés. Parce que, dans le fond, ils ont des symptômes. Ils sont mis en quarantaine jusqu'à temps qu'ils reçoivent un test négatif. Donc, ils sont mis en quarantaine pendant 14 jours et ils restent dans les statistiques. Donc, ils sont sortis des statistiques seulement quand ils sont sortis de leur quarantaine. Donc, je vous le demande, elle est où la pandémie? Si on dit qu'il y a eu l'année passée en 2020 8479 décès, on a accumulé, à venir jusqu'à maintenant depuis le mois de janvier, 2812 décès. Ce qui nous donne un total de 11291 personnes décédées. Mais elle est où la pandémie? Le chiffre qu'on nous parle jamais. Le chiffre qu'on nous parle jamais, c'est les cas rétablis. Comment se fait qu'on ne nous dit jamais les cas rétablis? À venir jusqu'à maintenant, il y a 4 077 487 personnes de cas rétablis. La grippe est un phénomène saisonnier, on le sait. En hiver, il y a plus de personnes âgées qui décèdent que de personnes, de jeunes personnes. Donc, ce qu'il ne faut pas se leurrer, la grippe, l'influenza, la H1N1, inclut à le SRAS-CoV-2. Le COVID, c'est une grippe. C'est un problème respiratoire. Donc, le vrai mot, c'est syndrome respiratoire aigu. Ça veut dire la même maudite affaire que la grippe. Les personnes qui décèdent de la grippe en 2019, les personnes qui sont décédées de syndrome respiratoire, il y en a 6743. Si on multiplie 6743 avec cette année, bien 2020, avec 2021, on est loin d'être en pandémie. Les personnes âgées, en 2018, les prévisions des statistiques de l'Institut de la statistique du Québec. Il est bon très exactement 11 920 personnes aujourd'hui. On vient d'arriver, yeah! On l'a dépassé de une personne décédée. Donc, je vous le dis, le Québec est arrêté pour 5652 cas actifs, incluant 147 hospitalisations, qui inclut 37 soins intensifs. Mais elle est où la pandémie? Donc, je voulais déchirer le voile en choisissant les mots, les bons mots, la définition des mots. Je suis pour un Québec, je suis pour un Québec libre, libre de penser, libre d'expression, libre de droit, libre d'être qui on est dans ce Québec qui est à l'intérieur du Canada. Vive le Québec libre! Merci de m'avoir écouté. Ça fait l'air de bien parler politique sans être politique. Parce que, vous voyez, il y a toujours des vieilles adages qui existent qu'il y en a qui essayent de dire qu'on va diviser le peuple. La division, c'est leur game, pas la nôtre. Avez-vous déjà entendu parler de démocratie directe? De référendum d'initiative populaire? Non! Parce qu'ils veulent garder leur agenda. Puis je suis désolé de vous l'apprendre, dans leur agenda, vous n'en faites pas partie. Des référendums d'initiative populaire, la démocratie
direct, c'est la seule façon que nous avons de redonner la liberté et le pouvoir aux citoyens et mettre une structure pour que ne plus jamais qu'un élu se passe au-dessus des citoyens. Il existe des mécanismes démocratiques qu'on n'utilise pas consciemment parce que ceux qui sont supposés nous représenter, mais ils ne représentent qu'eux-mêmes. C'est terminé. Le 20 septembre, la liberté à être unis ensemble, ça va se produire. Votre pouvoir, vous l'avez ici, maintenant. On n'a plus besoin d'attendre après eux. Quand on est dit qu'on est unis au Parti libre Canada, c'est unis en tant que citoyens. Et ensemble, plus jamais qu'il va exister une division entre les élus et les citoyens. Et ça aurait dû toujours à être constitué comme ça. On va aller réviser tout ce qu'il y en est. Il y a des mécanismes qui fonctionnent, mais ils sont mal utilisés, sont illégaux. Le père Trudeau en 1974 a vendu les Canadiens aux banques privées et c'est anticonstitutionnel. Et on va aller la réviser, cette loi-là, pour vous autres, parce que la Banque du Canada appartient au peuple. Vous voulez être libre, vous voulez aller au pouvoir, Parti libre Canada. Merci. Alors, étant donné que, justement, nous ne sommes pas des politiciens, mais nous sommes des humains qui ont un cœur, qui ont à cœur la pérennité de l'humain, la santé financière, et la santé financière d'un pays ou d'une province, les premières personnes par qui ça passe, c'est par chacun de nous. Alors oui, c'est une entreprise, comme Mireille disait, mais cette entreprise-là, moi j'en ai une business, puis si mes employés sont pas en forme, sont malades physiquement, psychologiquement, émotionnellement, mais ils disent « Manon, je suis malade, je rentre pas. » Est-ce que tu penses que ma business va bien aller? Alors, dans une business gouvernementale, il va être temps de changer cette mentalité-là, de dire que c'est les humains, okay, donc les citoyens, qui payons des impôts, qui payons des taxes. Et savez-vous quoi? C'est nous autres le boss à Legault. Parce que c'est nous autres qui payent sa paye. C'est nous autres le boss à Trudeau. Alors, ils ont des comptes à nous rendre, puis il va falloir qu'ils nous la livrent, la marchandise. Assez, c'est assez. Mais en ce moment-là, y a-t-il des jeunes qui sont là en ce moment? Parce que moi, je vais continuer à faire des lives, je vais continuer à faire à...
qui est alentour parce qu'eux sont pro-vaccin. Je peux pas sortir de sa chambre. Je peux pas rien faire. On me dit à chaque fois que je les vois, viens avec moi, on va être faire vacciner si tu veux souper avec nous. C'est ça mon quotidien. C'est la seule, pour le seul problème dans ma relation. C'est le vaccin que je suis tannée. Je veux pas vous faire donner une thérapie génique par un vaccin corrompu. Les jeunes dans mon école, les jeunes sur Internet viennent me parler, ils disent leurs parents les oublient de prendre le vaccin. Ils viennent pleurer pour me voir parce qu'ils sont obligés. Ils ont pris leur première dose, ils ne veulent plus prendre leur deuxième dose.